je réponds, ce n'est rien que la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous ce matin. May the Lord Jesus Christ bless you all this morning. Qui bénisse l'office de musique. May blessing the office of music. Tous les diacres. All the deacons. Et tous les frères qui sécurisent l'église. And all the brothers who do stay safe. Et qui bénisse mes sœurs, qui bénisse mes frères. May bless my sister and brothers. Et qui me bénisse moi aussi. And may bless me also. Parce que nous nous aimons d'un amour parfait. Because we love each other for a perfect love. Et bientôt nous serons de l'autre côté. Very soon we're gonna be from the other side. Toutes nos peines seront vraiment terminées. All the pain will be over. Les souffrances de venir à l'église. The suffering for coming to the church. Les souffrances de prier tous les jours. The suffering for praying each day. Tout vont prendre fin. Will take an end. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles ce matin. Then we're gonna take our Bible this morning. Dans le livre de Genèse, chapitre 18. Onto the book of Genesis, chapter 18. À partir du verset 10. From the verse 10. Et nous allons lire la parole de Dieu. And we're gonna read the word of God. Permettez-moi de commencer au verset 7. Let me start by the verse 7. La parole dit. The word goes like this. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Amen. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the young man, and he hasted to dress it. And he took butter and milk and the calf which he had dressed and set it before them. And he stood by them under the tree and they did eat. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. And they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door which was behind him. Seigneur Dieu, notre Père Céleste. Lord God, our Heavenly Father. Nos cœurs sont dans la joie parce que David avait dit. Our heart rejoices because David said. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. I am in joy whenever I say, let's go to the house of the Lord. Parce que la maison de l'Éternel, c'est la maison de correction. Because the Lord's house is correction house. C'est la maison de la guérison. It's house of healing. C'est la maison de remplissage. It's house of filling up. C'est la maison de la transformation. It's a house of transformation. C'est la maison de l'humilité et de la douceur. House of humbleness and sweetness. Alors nous ne venons pas ici, Seigneur, pour nous faire voir. We do not come here to show off, Lord. Mais nous venons pour écouter ce que notre Dieu a dit dans cet âge. We come to listen what our God said into this age. Je voudrais te bénir d'abord, Père. And I would like to bless thee, Father. Parce que chaque fois que je viens ici, je trouve qu'il y a des gens qui sont à l'église. Because each time I come, I find people in church. Cela nous montre que le réveil commence à entrer. It shows us that the revival starts on coming in. Parce que Seigneur, s'il y a pas quelque chose qui les attire. Because Lord, if there is something attracting them. Ils pouvaient pas être ici jusqu'à 5 heures. They could not come here at 5 jusqu'à 6 heures, ils sont déjà là. Up to 6 a.m. they're here. Je me rappelle comment est-ce que nous avions commencé ce message. I remember the way we started this message. Il y avait une urgence, Seigneur. They had the urge, Lord. Tout le monde cherchait à être le premier à l'église. Everyone was searching to be the very first to the church. Quelque chose, le malheur est bon. And something cursed. Tu as voulu que cela soit ici pendant cette période de COVID. You wanted it to be during that time of COVID. Que tes enfants puissent prendre conscience. So that children may take conscience. Que perdre le temps ailleurs ne bénéficierait à rien. That losing time elsewhere would be waste of time. C'est le temps à l'église, c'est une bénédiction. But coming to spend time to the church is a blessing. Alors donnez-nous une bonne réunion aujourd'hui. Then give us a good meeting today. Sois avec tes enfants. Be with thy children. Donnez-moi l'onction. Give me the anointing. Lève les fatigues. Remove tiredness. Lève les perturbations. Remove perturbations. Que chacun sorte ici ce matin. Let everyone come out from here this morning. Avec quelque chose. With something. Et que chacun comprend. And let everyone understand. Quelle est l'importance de la parole dans sa vie? What is the importance of the word into his life?
alive. Parce qu'un jour nous allons quitter la terre. For the day we're going to leave the earth. Nous avons servi le monde et les choses du monde. We've served the world and things of the world. Cela n'a pas porté le changement en nous. It was not worthy in us. Mais depuis que nous avons goûté que la parole est bonne, since we started that the word was good, nous constatons qu'il y a déjà quelque chose qui commence à naître en nous. We've noticed something started alors, within us. La Bible dit celui qui a commencé l'œuvre, il va l'achever. Then the Bible says who started the world will not finish it. Amenez-nous à la perfection. Bring us to perfection. Au changement total. Unto the total change. À être comme Dieu. To being like God. Parce que c'est ton but. Because that's your purpose. Pour lequel tu as envoyé la parole. For which to send forth the word. Bénis tes enfants tout au long de la journée. Bless thy children during all the day. Seigneur, réponds à leurs requêtes. Lord, answer unto their requests. Guéris les malades, je vous en prie. Heal the sick, I'm begging you. Qu'il y ait des témoignages horribles. Let have terrific testimony. Pendant cette période. During that period. Et s'il y a un moment que je vous en supplierai, Seigneur. If there is a time I will beg you, Lord. D'être proche de ton peuple. To be close to thy people. Plus qu'auparavant. More than before. C'est maintenant. It's now. Parce que le temps est fini. Cause time is over. Soutiens-nous, Seigneur. Support us, Lord. Parce que tu es Dieu. Cause you are God. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Bénis l'interprète. Bless you, interpreter. Bénis tous ceux qui sont arrivés ce matin. And all came this morning. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Thank you. You may be seated. Alors, nous continuons notre enseignement relativement aux choses qui doivent arriver. We carry on our teaching regarding things must come. Et la fois passée, nous avions parlé de la translation du corps de Naaman le Syrien. And last time we talked about the translation of the body of Naaman the Syrian. Et je vous ai montré, et la Bible nous dit que Naaman devait plonger sept fois sur le Jourdain pour être pur. And has the Bible said that Naaman should have dig seven times to be pure into the Jordan. Il ne devrait pas entrer dans l'eau six fois. Will not enter into the water six times. Parce que la recommandation du Dieu Tout-Puissant au travers de son serviteur. Cause the recommendation of the mighty God through his servant. Avait ordonné à Naaman d'être plongé dans l'eau pendant sept fois. For then Naaman to be dashed in the water seven times. Et le prophète nous montre que Dieu est dans sa mathématique. And the prophet shows us that God is there in his mathematics. Si Naaman, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant la parole du prophète. If Naaman by listening the word of the prophet, bien qu'il avait boudé un peu et il ne voulait pas y plonger, while he listened a little, he didn't want to dig in. Mais c'est la seule manière où il pouvait être pur. It was the only way for him to be pure. Sa délivrance totale, his total delivery, provenait à l'obéissance totale à ce que le prophète a dit. Came from the total obedience of what the prophet has said. Et le messager dit, and the messenger said, l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne droit au baptême du Saint-Esprit. The total obedience unto the word of God grant you the baptism of the Holy Ghost. Et nous avons compris par la parole. We have understood through the word. Que lorsque le Syrien, le Naaman, ou bien le général Naaman, s'est plongé la septième fois. When General Naaman did the seven times. Ça, son corps était changé. His body got changed. Et le prophète dit que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection. And the prophet said that the number 7 is the number of perfection. C'est le chiffre de l'achèvement. It's the number of closing. Et lorsque nous arrivons au septième jour de la semaine. When you come to the seventh day of the week. La chose à faire c'est de revenir au premier jour. The thing to do is coming back to the first day. Et lorsque nous arrivons au septième âge de l'église, when we come to the seventh age of the church, la chose qui reste c'est de revenir au commencement. The remaining thing is to coming back to the beginning. En d'autres termes, c'est l'éternité qui va recommencer. In other words, it's eternity ongoing. Et lorsque nous arrivons à la fin du monde, and when we come to the end of the world, la chose qui nous reste, the remaining thing, c'est le retour en Éden. It's the return to Eden. Et je crois que nous sommes en train de repartir en Éden. And I believe if you head into Eden. Et Dieu a créé le monde en six jours. God created the world in six days. La Bible nous dit que le septième jour Dieu se reposa. The Bible said on the seventh day God rested. Et je vous ai toujours enseigné. I always teach you. Que cela ne veut pas dire que Dieu avait croisé les mains et il ne faisait plus rien. It doesn't mean that God crossed his hand and do nothing. Mais c'est Dieu là qui s'est reposé. But that's God who rest. Il s'est reposé dans sa parole. He rests within his word. Il s'est reposé dans son ainsi dit le Seigneur. He rests in the says the Lord God. Et au travers de son fils adopté Adam, and through his adopted son Eden, Dieu avait continué à
travailler. God carry on the work. C'est pourquoi Adam pouvait donner le nom aux animaux. That's why Eden can name the animals. Et Dieu pouvait agréer, n'est-ce pas, le nom ou bien le travail que faisait son fils. And God can approve the work or the name his son did. Si vous croyez cela, donnez-moi votre amen. If the church believes, then say amen. Et si la Bible dit que Dieu s'est reposé, si les gens pensent que Dieu avait croisé les mains et pour ne rien faire. And if the people say that God crossed no, cela veut simplement dire que Dieu a continué son ministère dans l'homme. It simply means God carried on his ministry in the man. Est-ce que vous croyez à cela? Do you believe it? Nous pouvons poser la question à ceux qui ne comprennent pas. We can question those who not understand. Qui nous explique qui avait créé, n'est-ce pas, le bélier qu'Abraham avait donné en sacrifice? You explain us who created the ram that Abraham gave unto sacrifice. C'était Dieu. He was God. S'il s'est reposé, alors comment il peut créer, n'est-ce pas, le bélier? And if he rests, how could he create the ram? Qui avait amené les mouches à l'existence? Who brought the flies unto existence? Au travers du ministère de Moïse. Through Moses' ministry. C'était Dieu. He was God. Qui avait amené la création de grenouilles? Who brought the creation of frogs? Mais c'était Dieu. He was God. Mais Dieu. But God. A continué son ministère. Carry on his ministry. Dans un homme. Unto a man. Et aujourd'hui. And today. Ce même Dieu là. That same God. Se repose en vous. Is resting in you. Il se repose en moi. Is resting in me. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Why the Holy Spirit be given? Le Saint-Esprit a été donné. The Holy Ghost be given. C'est pour que le Dieu Tout-Puissant. It's for the mighty God. Continue son œuvre. Carry on his work. Continue son ministère. Carry on his ministry. Pas que lui-même il est là. Not himself standing there. Dans la chair. In the flesh. En train de faire. Being doing, en train de travailler. Being working. Frère Branham nous dit. Brother Branham tells us. Même le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Even the Lord Jesus Christ has je said, suis venu du Père. I've come from the Father. Et je retourne au Père. And I'm coming back to the Father. Retourner au Père, ça signifie redevenir la colonne du feu du commencement. Returning back to the Father means becoming the pillar of fire of the beginning. Que l'Église donne-moi un amen. Let the church say amen. Je voulais dire quelque chose, mais je pense que ça va vous choquer. I wanted to say something. I think it's going to shock you. Sauf si vous me permettez. Except if you allow me. Avant la venue de Jésus, before the coming of Jesus, Dieu était la colonne de feu. God was the pillar of fire. Yes, sir. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, and when Jesus Christ has come, la colonne de feu avait pris la forme d'un homme. The pillar of fire took the form of a man. Ou bien la colonne de feu était entrée dans l'homme. Rather, the pillar of fire has entered into the man. C'est cet homme de Galilée. Is that man of Galilee que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. That we call the Lord Jesus Christ. Je ne sais pas si vraiment vous allez croire à ça. I don't know if you're going to believe it. Et depuis que Christ est venu, and since Christ has come, les gens n'ont pas vu Dieu. People haven't seen God no more. Mais le Fils unique du Dieu, and the Lord Son of God, révélait Dieu. Revealed God. Dans ce Jésus-Christ, so the Jesus Christ, dans sa chair, unto his flesh, qui révélait Dieu. Who revealed God. Et lorsque Jésus marchait sur la terre, and when Jesus walked on the earth, les gens n'ont pas vu Dieu. People haven't seen God. Les gens ne connaissaient pas Dieu. People didn't know God. Parce que Dieu était voilé dans ce corps. Because God was veiled in that body. Alors ceux qui venaient adorer Dieu, so those who came to worship God, devant cet homme, in front of that man, ils adoraient Dieu. They worship God. Mais Dieu était caché. But God was. Si quelqu'un croit cela, donnez-moi un amen. If someone believes and say, mais dans cet âge ici, but within this age, nous ne voyons pas Dieu au travers de ce corps. We can't see God through that body. Oh, il y a pas d'amen. Don't you say amen, church? C'est pourquoi je doutais de parler. That's why I didn't want to talk. Ce même Dieu là, the same God, qui était caché ici, who was hide here, dans ce temps de la fin, into this end time, il est redevenu le Dieu de la colonne de feu. He has become back the God of the pillar of fire. C'est pourquoi avec certitude, that's why with certainty, je vais vous confirmer que nous adorons le même Dieu qu'Abraham. I'm going to confirm we worship the same God than Abraham. Nous adorons le même Dieu que les saints de l'Ancien Testament. We worship the same God than the whole of the Old Testament. Dans sa forme physique, not in his physical form, mais dans une forme transfigurée, into a transfigured form, dans une forme changée, into a changed form. Le Dieu du commencement, the God of the beginning, le Dieu d'Adam, the God of Eden, le Dieu d'Abraham, the God of Abraham, le Dieu d'Isaac, the God of Isaac, le Dieu de Jacob, the God of Jacob, le Dieu d'Israël, the God of Israel, le Dieu de Moïse, the God of Moses. Aujourd'hui, today, c'est la colonne de feu, it's the pillar of fire.
C'est pourquoi le messager dit, that's why the messenger said, cette colonne de feu, that pillar of fire, est avec chacun de vous, and with every one of you. Elle vous parle, talks to you, elle vous conduit, are leading you, elle fraye un chemin devant vous quand vous êtes en difficulté, a way in front of you when you got stuck. Elle vous délivre, I set you free. Oh, donnez-moi un amen. And the church, amen. C'est pourquoi nous sommes différents de la dénomination. That's why we are different from denomination. La dénomination adore celui-ci. Denomination worship this one. La dénomination adore celui-là. Denomination worship this one. Mais lorsque celui-ci, but when this one, reprend la forme du commencement, take back the form of the beginning, c'est là où se trouve la vraie adoration. Is there lies the true worshiping? Donc Jésus-Christ, so Jesus Christ, qui était la colonne de feu, who was the pillar of fire, il est devenu chair, has become flesh. Et lorsqu'il a accompli la rédemption, and when he performed redemption, il est devenu encore la colonne de feu. He has become back the pillar of fire. Soit toute personne, that's why each person, qui le croise, that meets sous la forme de la colonne de feu. Under the form of the pillar of fire. Et la colonne de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. And the pillar of fire is the baptism of the Holy Ghost. Il adore Dieu en vérité et en esprit. He worship God in truth and spirit. C'est ça la vraie adoration. This is the true worshiping. C'est quand Jésus-Christ, it's when Jesus Christ, retourne dans sa forme première. Goes back onto his very first form. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Can the church say amen? Donc, il fallait que Naaman entre dans l'eau la septième fois pour recevoir le changement. Naaman had to dig in water the seventh time to have. Et la Bible nous a confirmé dans 2 Rois chapitre 5. And the Bible confirmed in 2 Kings chapter 5. Lorsqu'il est rentré dans l'eau, when he entered into water, sa chair, his flesh, est devenu pur, has become pure. Sa chair, his flesh, est devenu comme la chair d'un enfant, has become like a flesh of a child. Alors avant d'aller dans l'eau, oh, before going into water, il avait la chair d'un vieux, he had the flesh of a old timer. Tout le système de son corps était détruit. All the system of his body was destroyed. Il avait des rides. He had wrinkles. Mais lorsqu'il s'est plongé la septième fois, but when he did the seventh time, et pourtant c'était de l'eau, though it was water, mais lorsqu'il est plongé la septième fois, when he did the seventh time, son corps a changé. His body has changed. Lui-même Naaman avait dit, himself Naaman said, comment vous m'obligez de rentrer dans l'eau de Jourdain? How can you compel me to dig in the water of Jordan? L'eau qui n'a pas de sens. The water with no sense. Et pourtant chez nous en Syrie, though in Syria, il y a de l'eau. We have water. Il y a des fleuves. We have rivers. Il y a des rivières. We have rivers. C'est parce que la Syrie est une dénomination. It's because Syria is a denomination. Et la parole prêchée par la dénomination ne peut pas changer quelqu'un. The word preached by denomination cannot change someone. Il faut entrer dans le Jourdain. You must enter into the Jordan. La mort en soi-même. Death into itself. Il faut entrer dans la nouvelle naissance. You must enter into the new birth. Alors votre vie sera changée. And your life gonna be changed. Alléluia. Amen. Et Frère Branham nous dit, Brother Branham tells us, que 7 c'est le chiffre de Dieu. That 7 is the number of God. La septième fois, mes it's amis, the seventh time, my friend, represent le septième sceau. The seventh seal. Tu as vu que les autres sceaux là, you seen the other seal, n'ont rien fait pour Naaman. They did nothing to Naaman. Mais le septième sceau, but the seventh seal, a changé Naaman. Change Naaman. Donc dans le septième sceau, so into the seventh seal, il y a le mystère du changement des corps. There's a mystery of changing of body. Il y a le mystère de la translation. There's a mystery of translation. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. Comme vous le savez, as you all know, Apocalypse chapitre 8, Revelation chapter 8, c'est le silence. It's the silence, yes sir. C'est vrai l'église? Is it true, church? Lisons ça. Let's read it. Apocalypse chapitre 8, premier verset. Revelation 8, first verse. La Bible dit, quand il ouvrit le septième sceau, the Bible says when he opened the seventh seal, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. He had in the silence for about an hour. Donc la seule chose qui est révélée
au chapitre 1er d'Apocalypse, c'est le silence. The only thing revealed in Revelation 8 is the silence. Et dans ce silence, and into that silence, il y a des choses. Last things. Et ne peut entrer dans ce silence. And can only enter into that silence. Ce n'est que le prophète. Only the prophet. Vous lisez. You can read. Vous voyez le silence. You see the silence. Mais lorsque le prophète regarde, but when the prophet looks, il voit le mystère caché dans le silence. He sees the hiding mystery in the silence. C'est pourquoi, mes chers amis, le prophète dit, that's why my dear friend, the prophet said, si vous voulez connaître le mystère qui est caché dans Apocalypse 8, premier verset, c'est-à-dire dans le silence, if you want to know the mystery hiding in the silence, lisez Apocalypse 10, premier verset. Then read Revelation 10, first verse. Je ne sais pas si vous me saisissez. I don't know if you see me. Donc, le contenu du chapitre 1er d'Apocalypse 10, so the holding of chapter 1 of Revelation 10, c'est ça le mystère qui est caché dans Apocalypse 8. Premier verset, là où il y a le silence d'environ une demi. This is the mystery hiding in Revelation 8 for the mystery of 1 hour silence. Quelle est la révélation cachée derrière cela? What is hiding Revelation? Je vis un ange puissant qui descendait du ciel. I saw a mighty angel coming down from heaven. Enveloppé d'une nuée. He was robed in a cloud. Et au-dessus de sa tête, l'arc était l'arc-en-ciel. With a rainbow above his head. Et son visage était comme le soleil. His face was like the sun. Et ses pieds comme des colonnes de feu. And his legs were like pillar of fire. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Holding onto a little donc book open. Ce que nous lisons là, so what we read here, c'est ça le mystère qui est caché dans Apocalypse 8:1. This is the mystery hiding to Revelation 8:1. Dans le silence d'Apocalypse 8:1, in the silence of Revelation 8:1, il y a un ange puissant. There is a mighty angel. Dans le silence d'Apocalypse 8:1, in the silence of Revelation 8:1, il y avait un ange du ciel. Il y avait un ange puissant qui descend. Had a mighty angel coming down. Et il était enveloppé d'une nuée. And he was robed with a cloud. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. And above his head was the rainbow. Et l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. And the rainbow is a covenant. Et dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. And in the rainbow lies 7 colors. Et son visage était comme le soleil. Like the sun. Et ses pieds comme une colonne de feu, comme des colonnes de colonnes de feu. And his legs like pillars of fire. Donc dans le silence d'Apocalypse 8, so in the silence of Revelation 8, il y a un homme, un être qui est debout. There is a being standing. Parce que Jean a vu sa tête. Oh, John saw his head. Jean a vu sa tête. John saw his head. Jean a vu ses yeux. John saw his eyes. Et Jean a vu ses pieds. And John saw his legs. Jean a vu sa main. John saw his hand. Jean a vu ce qu'il tenait dans ses mains. John saw what he was holding in his hand. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Can I tell you something? C'était le retour du souverain sacrificateur. He was the return of the high. C'est lui qui était entré. The one was entered. Dans Acte chapitre 1er. Into Acte chapter 1. Le verset 9. On verse 9. Il ressort. I coming out. Du lieu très saint. On the holy place. Dans Apocalypse 10. In Revelation 10. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. And the church say amen. Le même qui est monté au ciel. The same who went up in heaven. Pour aller intercéder. To go to intercede. Pour le saluer la rédemption de l'épouse. For salvation and redeeming of the il est resté là-bas pendant 2000 ans, I stayed there for 2000 years, en train d'intercéder pour notre ignorance. Been interceding for our ignorance. À l'ouverture du septième sceau. Unto the opening of the seventh seal. Il ne peut plus continuer à intercéder. Cannot stay interceding. Il ne peut plus continuer à rester au ciel. Cannot stay in heaven no more. Parce que le souverain sacrificateur. And the high priest. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Lorsqu'il entre. When he enters. Dans le lieu très saint. Unto the most high. Pour aller offrir. To go to le sacrifice. Du peuple, the sacrifice of the people. Il ne peut pas rester là-bas. He cannot stay there. Au-delà de 2 jours. Beyond 2 days. Il reste là-bas 2 jours. If he stay there 2 days. C'est que le souverain sacrificateur. Means the high priest. Est mort. Is dead. Et on doit le tirer. And we must. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Un jour pour Dieu. One day for God. Vaut 2000 ans pour l'homme. Equal 2000 for a man. Dans les 2 jours. So the 2 days. Que le souverain sacrificateur. And the high priest. Doit rester dans le lieu très saint. Stay in the most holy place. Vaut 2000 ans. Equal 2000 years. Que Jésus Christ devait rester au ciel. That Jesus Christ will stay in heaven. Et quand il était au ciel. And when he was in heaven. Il attendait l'ouverture du septième sceau. Waiting the opening of the seventh sceau. Et il attendait
attendait la venue de frère Branham. Il attendait la venue du messager du septième âge. C'est pourquoi le messager dit, that's why the messenger said, une fois que les choses sont ouvertes et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. He said, the angel comes un pied sur la mer, one feet on un pied sur la terre. One on earth. Le messager dit, the messenger souvenez-vous, said, remember, le septième ange est sur la terre. On the earth. Au moment de cette venue, on the time of that coming, le souverain sacrificateur high priest, qui était entré pour intercéder, was into to intercede, doit sortir must come out du lieu très saint from the most holy place, avec un livre ouvert with an open book, pour faire quoi? To do what? Maintenant vous allez comprendre. Now you're going to understand pourquoi le septième sceau a été ouvert. Why the seventh seal been pourquoi opened? Le septième sceau? Why the seventh seal? Du livre de la rédemption of the redemption book a été ouvert, has been opened, parce que c'est l'âge, because it's the age, c'est le temps, it's the time, de la proclamation des noms, of the proclamation of names, tous ceux qui avaient le nom, those who got the name, dans le livre de vie de l'agneau, on the book of life of the lamb, lorsque le livre est ouvert, when the book is open, et que Dieu donne ça au septième ange, and God gave unto the seventh angel, et que le septième ange prononce la parole, and the seventh angel pronounce lorsque the word, le septième ange, when the seventh angel sonne la trompette, sound the trumpet, c'est le temps de la proclamation, it's the time of proclamation, des noms des élus, of name of elect, si tu n'étais pas en Dieu, if you were not in God, tu n'entendras pas ton nom, you will not hear your name, si tu n'entends pas ton nom, if you can hear your tu name, ne viendras pas dans le message, you won't come in a message. C'est pourquoi ceux qui sont ici, that's why those who are here, vous n'êtes pas le produit du hasard, you are not by chance, vous êtes venus fêtoyer, you have come to party, au repas du Seigneur, unto the quelque chose. Yes, sir, you mean. Vous êtes venu pour vous habiller pour les noces de l'agneau. You have come to dress for the wedding of the lamb. Et notre habillement, and our dressing, ce n'est pas les habillements cousus par les hommes. It's not dress made by men. Ce sont les habillements de la parole. And our dressing of the word. C'est pourquoi vous devez aimer le septième sceau. You must like the seventh seal. Si vous croyez à cela, if you believe, ça vous rendra pire. He will turn you pure, sans tache, with no tache, sans ride, with no wrinkle, rien de semblable. Like. Je dis bien, j'assume. I say and I'm assuming. Que pendant que je prêche ici, why I'm preaching here, toute personne qui a la semence de Dieu, this person who got God's seed, il est sans péché. He is with no sin. Amen. Écoutez quelque chose. Listen something. Frère Branham dit. But Branham said. Dans la brochure Shalom. Onto the booklet Shalom. Prêché le 12 janvier 64. Prêché January 12, 64. Au paragraphe 189. Écoutez quelque chose. Onto the paragraph 189. Listen something. Je ne sais pas comment vous allez voir ça. I don't know how you're going to take it. Frère Branham nous dit. But Branham tells us. Quelque chose de très important. Something very important. J'aime le prophète. I love the prophet. Il dit paragraphe 168. He says on the paragraph 168. Maintenant pour vous adultes, now for you mature people, l'écriture est la symphonie de Dieu. The scripture is God's symphony, pour les enfants, not for the children, mais pour vous les adultes, but for you the adults, l'écriture, the scriptures, c'est la symphonie de Dieu. It's God's symphony. Frère Branham dit oui, alléluia. What the Bible say? Yes, alléluia. Il dit seul le compositeur sait ce que cela signifie vraiment. It says only the composer knows what this doesn't mean. Il dit et il le révèle à ceux qui écoutent. And he says reveal it unto those who listen to. À ceux qui sont intéressés à savoir ce qu'est le drame. On those who are interested to know what is the drama. Mais vous devez premièrement connaître ce qu'est une symphonie. But you must first of all know what is a symphony. Avant de connaître ce qu'est le drame. Before knowing what is a drama. Vous devez d'abord connaître ce qu'est la symphonie. You must first know what is symphony. Donnez-moi votre amen. Can the church say amen? Voyez-vous, ce n'est pas simplement quelque chose que vous voyez, mais ce sont les changements des passages de la parole ou de la musique. You see, it's not simply what you see, but that the change of the word of the music. Quand on arrive au refrain. When we come to the refrain. Pour les musiciens, for the musician,
La cadence change. The rhythm changes. Vous ne pouvez pas continuer avec le même rythme. You cannot keep on with the same rhythm. Le refrain, the refrain, c'est un passage. It's not only passage. Passage des notes. The passage of notes. Si vous n'avez pas subi le début, if you haven't followed the beginning, lorsque les notes vont se passer ou bien vont subir un changement, when the note will have a change, vous allez continuer à danser avec le pied droit alors que les gens sont dans le pied gauche. You'll keep on dancing with the right foot, but people are. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la révélation de la parole, that's why today with the revelation of the word, la révélation de la parole apportée par l'ange puissant au septième messager, the revelation of the word brought by the mighty angel to the si vous n'avez pas un vrai ministère, vous êtes embrouillé. If you do not have a true ministry, then you got trouble. Vous allez continuer à conduire les gens, à prêcher les gens dans le gros plan. You're gonna keep on preaching people into the big plan. Nous avons besoin de techniciens qui doivent tenir le microscope électronique. That's why we need technicians who must handle le microscope électronique. Electronic microscope. Pas les mécaniques qui crient. No, the mechanic making noise when you, you know, manage them. Écoutez, frère. Listen, brother. Paragraphe 169. Onto the paragraph 169. Ainsi, nous avons ces moments de symphonie de la parole de Dieu. Well, if you have those moments of the symphony of the word. C'est-à-dire que tout le drame est en train de changer. It means all the drama has been changing. Vous qui êtes intéressés. You are interested in. Attendez ce changement. Wait that change. Vous savez que c'est très proche. You know it's very close. Vous entendez la façon dont le tambour roule. You heard the way as the drama is rolling. Amen. Vous voulez que quelque chose arrive. And you want something to come. Vous savez qu'il y a un changement. You know that. Cela va éclater dans quelques minutes. It's gonna burst in a few minutes. Voyez-vous, et vous attendez cela. Do you see and you expect? Vous pouvez reconnaître cela par la façon dont le tambour roule. You can know the way the drama has been. Oh Dieu. Oh God. Vous pouvez entendre le roulement des tambours de la fin maintenant. You can hear the tremble of the drum at the end. Vous pouvez entendre l'écho de la musique de la parole céleste qui est en train de se faire entendre. You can hear the echo of the music celeste being heard. Il arrivera que dans les derniers jours. He'll come into the last day. Il dit la symphonie du grand drame de Dieu qu'il est en train de jouer. C'est la symphonie du big drama of God that he be playing. Cela change. And it will change. Cela change la symphonie au changement des passages. It will change the symphony of the change of passage. Le compositeur. The composer. Et ceux qui sont intéressés. And those who are interested. Attendent ce changement. Wait for that change. C'est ce que représente tout cela pour nous. That's what represents all of that for us. Il dit nous écoutons, nous observons. So we observing. Chaque fois qu'il apparaît, quelque chose arrive. Nous voyons que le temps est proche. Each time après something happen, we see the time is at hand. Continuons. Il dit paragraphe 170. Je vais aller vite. On le paragraphe 170. Il dit nous avons entendu que la parole disait. We've heard that the word was saying. Qu'au jour du septième ange. That to the day of the seventh angel. Il dit dans les âges de l'Église. He said unto the church age. Il a dit que le message du septième âge. He said that the message of the seventh age. Serait le dernier message. Gonna be the last message. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10. Then oh my, we see in Revelation 10. Qu'au jour du message du septième ange. To the day of the message of the seventh angel. Les mystères de Dieu seraient finis. The mystery of God gonna be over. Le septième sceau serait ouvert. The seventh seal gonna be open. Cela devrait être là. And who will be there? Et tout à coup, and at once, quand cela arrivait, when it came, une vision est apparue disant, a vision appeared saying, va à Tucson. Go to Tucson. Il y aura un grand bruit en ce moment-là. We'll have a big noise onto the et stand. Tu comprendras pleinement et tu sauras que c'est que cela est envoyé. And you understand fully and will know that it's been sent. Cela secouera presque la terre. It will shake almost the earth. Vous tous êtes au courant de cela. You all are aware of it. C'était sur bande de mois avant que cela n'arrive. It was put on tape months before it happened. Et cela est arrivé. And it has come to pass. Voyez que cette présence, donnez-moi ça s'il vous plaît. That presence, brother Richard. Avant quelques mois auparavant, before, 3 months before, Dieu avait dit à Frère Branham, God said unto Brother Branham, Apocalypse 10 serait ouvert. And Revelation 10 gonna be open. Je ne sais pas si vous comprenez bien. I don't know if you understand. Dieu avait dit à Frère Branham, God said unto Brother Branham, que tu vas te retrouver quelque part. You're gonna find yourself somewhere. Et il y aura une déflagration. And you will have a big shot. Et il y aura la venue de sept anges. And you have the coming of seven angels. Frère Branham dit que cela était un message, une prophétie. Brother Branham said it was a prophecy. Alors le prophète dit
dit que cela est arrivé. Then the prophet said he has come. Cela est accompli. He has come to pass. Alors il dit que cela était sur bande de moi avant que cela n'arrive. Well, it was tape months before it come to pass. Et cela est arrivé. And he has come to pass. Alors qu'est-ce que c'est ça? So what is it? Frère Branham dit c'est un chant du temps de la symphonie. But the Bible said it's a song of the time of symphony. C'est un changement. He said it's a change. Du temps de la symphonie. Of the time of symphony. Et le prophète nous dit ceci. The prophet says c'est le temps du changement des passages des Écritures. It's a time of change of the passages of the Scripture. Nous quittons les passages des Écritures que nous lisons avec les dénominations. We leave the passage we're reading with denominations. Pour entrer dans les passages de l'Écriture qui concernent l'épouse. To enter into the Scripture concerning the bride. C'est pourquoi Apocalypse dit. That's why Revelation. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. That's not for everybody. Apocalypse 8. Revelation 8. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Mais que 17:30. But all the ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Malachi 4. Malachi 4. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. 1 Thessalonians 4. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. C'est le changement. It's the change. De la symphonie. Of symphony. Des passages. Of scripture. Des écritures. Of the scripture. Et lorsque vous croyez à ces choses, when you believe unto those things, l'enlèvement s'installe en vous. The rapture installs itself unto you. Le changement s'installe en vous. The change installs in you. Maintenant, je vais vous choquer. Now I'm going to shock. Toute personne, each person, ici présent, here present, ou bien qui va m'écouter plus tard, who's going to listen to me now, par internet, through internet, qui sent déjà que sa vie commence à changer, who's feeling his life is changing, qui sent qu'il n'est plus ce qu'il était, who's feeling he's no more what he used to be. Là-bas à l'intérieur, that over there inside, il y a un changement. There's a change. Il a plus des affections aux choses de Dieu. He got more affection of to God things. Et il se désintéresse aux choses du monde. And not losing affection to things. Croyez-moi, l'enlèvement est déjà en vous. Believe me, the rapture is already in you. Le changement dont je parle est déjà en vous. The change I'm talking is already in you. Le septième sceau, the seventh seal, purifie l'épouse. Purifies the bride. Donnez-moi votre amen. Can the church say amen? Là, je ne sais pas si vous allez croire ça. That I don't know if you're going to believe. Je peux? Can I? Yes, sir, you may. Shalom. Shalom. Prêché le 19 janvier 64. Prêché 9 January 64. Paragraphe 245. Onto the paragraph 245. Ça, je ne lis pas ça pour tout le monde. This one I'm not going to read for everybody. Mais je vais lire ça pour vous. But I'm going to read it for you. Frère Branham dit, mais rappelez-vous. But the Bible said, but remember. Si cela va directement dans les ombres de la mort. It's going straight into the hands of death. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Jesus said, I am the resurrection of life. Et je le ressusciterai de nouveau. And I will resurrect him again. Et lorsque le grand chef d'orchestre. And when the great orchestra chief. Descend. Comes down, et qui le fait descendre sous bâton. And he had descended in that boat. Il n'y aura plus alors de temps. Then he will not have time no more. Suivez ceci, mes amis. Now follow this, my friend. Quand cet ange d'Apocalypse chapitre 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer. When that angel of Revelation 10 step on the earth and on the sea. C'est-à-dire écrase les protestants. Smashing protestants. Et écrase les catholiques. And bruising the Catholic. Avant de remettre le livre au messager, before turning the book onto the messenger, la Bible, Frère Branham nous dit ceci, met un pied sur la terre et un pied sur la mer. The Bible says put a foot on earth and on the sea. Avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. With the rainbow above his head. Il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. He swear there is no more time. Frère Branham dit quand ce temps-là arrivera, when that time will come, vous ressusciterez d'entre les morts. You'll raise back among the death. Pendant que les autres seront couchés là, vous vous entrerez. While the others are gonna be laid, you will enter. Lorsque l'ange puissant descend, when the mighty angel comes, et je crois qu'il est déjà descendu, and I believe he's already come, avec un pied sur la terre, with a feet on un pied earth, sur la mer, one on avec the sea, un petit livre ouvert, with a le book messager of earth, dit, the messenger lorsqu'il said, descend, when he comes vous down, serez ressuscité d'entre les morts. You're gonna be brought back from the death. Donc la descente de cet ange, so the descent of that angel, apporte la résurrection des morts, brings the resurrection of death. Amen. C'est le messager. It's the messenger. Amen.
Frère Branham dit que pendant que les autres seront couchés là, vous vous entrerez. But the Bible says while the others are going to be laid. C'est-à-dire la descente de cet ange puissant. Mean the descent of that mighty angel. Avec le cri. With the cry. La voix. The voice. La trompette. And the trumpet. Je peux parler? Can I? Yes, sir. Apporte la résurrection. Brings resurrection. Apporte l'enlèvement. Brings the rapture. Apporte le changement ou la translation de corps. Bring the change or translation of body. Mais les autres vont dormir dans la dénomination. The others are going to sleep in the denomination. Les autres vont dormir dans les tombeaux. The others are going to sleep into tombs. Mais l'épouse, but the bride, va subir la résurrection. Will have the resurrection. Et cette résurrection, and that resurrection, va du spirituel au physique. Goes to the spiritual to the physical. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui entend ma voix. That's why the Bible says whoever listens. Et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé. And believe unto of saint. Il a la vie. He has the life. Et il ne viendra plus en jugement. And he won't come no more in judgment. Mais il est passé. And he has passed. De la mort. From death. À la vie. Unto life. Le passage. The passage. De la mort. From death. À la vie. Unto life. C'est la résurrection. It's resurrection. Amen. On a beaucoup de choses à enseigner, mais on ne peut pas prêcher ça à tout le monde. We have many things, but we cannot preach unto everybody. Mais vous, vous avez la grâce. But you have the grace. Amen. Je vais vous parler le livre de Daniel. We're going to read the book of Daniel. Chapitre 12, rapidement. Onto the chapter 12, quickly. Vous montrer que le septième sceau purifie. To show you guys that the seventh seal purifies. Amen. Amen. Le prophète dit. The prophet says. Daniel a entendu les sept honneurs. Daniel heard the seven thunders. Daniel a vu l'ange qui descendait, qui lui a parlé. Daniel saw the angel coming down who talked to him. Mais l'ange a dit à Daniel. The angel said unto Daniel. Je suis dans Daniel chapitre 12. Vous pouvez lire tout le contenu, mais je lis le verset 4. Unto Daniel chapter 12. La Bible dit ceci. The Bible says in verse 4. Toi Daniel. You Daniel. Tiens secrète ces paroles. Hold secret that word. Tiens secrète le message. Hold secret the message. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. And seal the book in the end time. Plusieurs alors le liront. Many shall learn from it. Et la connaissance augmentera. And the knowledge shall increase. Prenons le verset 9. Now to the verse 9. Il répondit. He answered. Prenons le verset 8. J'ai entendu mais je ne compris pas. I heard but understood not. Et je dis mon Seigneur. Then I say, oh my Lord. Quelle sera l'issue de ces choses? What shall be the end of these things? Il répondit, va Daniel. He answered, go thy way, Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. For those words are closed up and sealed in time the end time. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Many shall be purified and made white. Les méchants feront le mal. The wicked shall do wickedly. Et aucun des méchants ne comprendront. And none of the wicked shall understand. Mais ceux qui auront de l'intelligence. But the wise. Comprendront. Shall understand. Le message, les paroles scellées par Daniel. The message, the word sealed by Daniel. Au verset 9 de Daniel dit. Unto the verse 9 of Daniel. Il dit car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Cause the world gonna be sealed secret and sealed. Le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde. Is not the end of the world. Le temps de la fin, c'est la fin de l'âge de Laodicée. The end time is the end of Laodicea. Et la Bible nous dit, mes chers amis, and the Bible tells us, my dear friend, que ces paroles seront scellées et tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. We're gonna be sealed and held secret until the end time. Plusieurs seront purifiés. Many gonna be purified. Lorsque ces paroles scellées, when those sealed words, seront révélées, gonna be revealed, seront ouvertes, gonna be open. Ceux qui vont écouter ça, those gonna listen, ceux qui vont croire à ça, those gonna believe in it. Purifiés. Be purified. Je pensais que vous allez me donner un amen. I thought you should have said amen, church. Blanchi, white, épuré, and purified. Blanchi, made white, purifié, and purified. Épuré, and dry. Voilà ce que l'effet que la parole fait sur vous. Here the effect the word has upon you, guys. Vous dites mais pasteur? You will say but pastor. Est-ce que Daniel a écouté les sept honneurs? But Daniel listened the seventh tongue. Écoutez le prophète Apocalypse livre des symboles paragraphe 64 prêchant 56. Listen the prophet revelation book of symbols. Ainsi rappelez-vous. Then remember. L'ange avait parlé à Daniel. The angel talked to Daniel. Daniel a entendu les sept honneurs. Daniel heard the seventh thunders. Et il fit entendre leur voix. And they make heard their voices. Daniel se saisit de sa plume et commençait à écrire. Daniel sees his feather and start on writing. Et l'ange lui dit, ne l'écris pas. And the angel said, do not write it. Frère Branham dit, amen. But the Branham said, amen. Paragraphe 65, il dit, êtes-vous prêt? On paragraphe 65, are you ready? Entrons dans ceci pendant les cinq prochaines minutes. Let's enter into that in the five next minutes. Le voulez-vous?
Do you want it? Écoutez. Listen. Ne l'écris pas. Do not write. Jean vit la même chose. John saw the same thing. Et cela avait déjà été écrit à l'intérieur de la Bible. It's already been written inside of the Bible. Et il y avait sept sceaux sur le dos du livre. There had seven seals upon the back of the. Et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. And no one could open those seals. C'était ses voix. It was those voices. Voici la Bible écrite. Behold, the written Bible. Laquelle est un mystère elle-même. Which remained a mystery itself. Mais sur le dos du livre. But upon the book, the back of the book. Les révélations étaient montrées à Daniel disant qu'il y a sept voix qui devaient se faire entendre. The revelation shown on Daniel saying there is seven voices who will make heard. Personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. That no one could open and know what was it. Mais la Bible dit et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean. But the Bible saying it was also to John. Que dans les derniers jours. That unto the latter days. Ces sept voix seraient reconnues par la véritable, la vraie Église. That voice going to be known by the true, genuine church. Les sept voix de sept tonnerres seront connues par la véritable, la vraie Église. The seven voices of the seven tonnerres going to be known by the church. Saisissez-vous. Mais pouvez-vous voir comment le faux et le la contrefaçon font de l'air mieux pour tenir éloignés les grands hommes des endroits comme cela. Les faux prédicateurs éloignent les gens de cet honneur. The wrong preacher put away people from the seven thunders. Alors que les sept tonnerres sont les sept voix des sept anges. Why the seven thunders are the seven voices of the seven angels? C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement à l'épouse. That's giving the faith unto the bride for the rapture. Dis-moi, pasteur, qu'est-ce que tu vas prêcher? You will tell me, pastor, what you're going to preach? Je parle sur le changement d'Abraham. I'm talking about Abraham change. Parce qu'on a déjà parlé des changements de le changement de Naaman. Because we already talked about the change of Naaman. Écoutez le conseil du prophète. Now listen to Pastor, dans la brochure Shalom, prêchant 64, paragraphe 246, le prophète dit, in the book of Shalom, preaching 64, the prophet restez dans la symphonie. Stay in the symphony. Restez dans la parole de Dieu. Stay in the word of God. Peu importe combien c'est difficile. No matter is difficult. Accrochez-vous-y. Good on it. Peu importe comment Dieu est en train de battre. No matter has God is been. Peu importe combien Dieu est en train de te frapper. No matter has God has been hitting comment you. Dieu est en train d'enlever les mauvaises choses dans ta vie. Has God been removing the heavy things même in your si life? Ça vous fait mal, even if it hurts you. Restez dans la parole. Stay in the word. Même si la parole vous arrache tous les droits. Even if the word take away from all the rights. Restez dans la parole. Stay in the word. Ne vendez pas vos droits. Do not sell your rights off. À cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Because of everything we see today. Hein, mes jeunes filles, my young daughter, vous qui êtes des hôtesses dans les mariages, you who are hostess in marriage, ne vendez pas vos droits pour commencer à écouter vos jupes. Do not sell your rights starting to shorten your skirt. Parce que vous êtes, n'est-ce pas, qui ça, comment on les appelle là, les hôtesses. Because you are hostess. Non, vous ne pouvez pas et vous n'avez aucun droit d'écouter vos jupes parce que vous êtes les hôtesses. You cannot, you have no right to shorten your skirt. Montrez un exemple à tous ces hôtesses païennes. Show an example unto those pagan hostess. Que ma jupe doit rester longue. That my skirt must remain long. Et vous n'invitez pas le pasteur dans vos fêtes pour lui montrer vos cuisses. Moi, je n'en ai pas besoin. You not invite the pastor to show your thighs. I do not need that. Si les fêtes commencent à vous déshabiller, alors n'y allez plus. If the feast start on undressing, do not go. Oui, monsieur. Yes, sir. Amen. Don't you say amen? Et vous devez faire attention pour que le diable n'entre pas dans votre danse. And you must pay attention so the devil not enter into your dance. Toutes les musiques qui n'inspirent pas le message de l'heure. Each music not inspiring the message of the hour. Dehors. Outside. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? On ne prendra pas la musique de Ntibi du village, la musique de Baumbo du village, pour amener Satan au milieu des croyants. Nos fêtes sont chrétiennes. We won't take the music of the village to bring in the middle of the community. Je sais que les gens n'aiment pas quand on touche les choses comme ça. I know people doesn't like when we touch those things. Et tous ceux qui organisent les mariages. And those who organize the marriage. Faites habiller les hôtesses à la manière de la parole. Let us be dressed on the way of the word. Sinon, prochainement, je vais empêcher les gens de venir être les hôtesses. Otherwise, next I will prevent people to come be hôtesses. Avec des tenues païennes. With the pagan outfits.
tous les slips dehors. All the underwear outside. Dehors. Outside. Si vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu, ne soyez pas hôtesse. If you cannot live the word of God, then do not be an hostess. Lorsque j'observe les choses, je me suis dit, ah, Seigneur, j'ai encore un grand travail à faire. When I look things, I say, Lord, I still have a big job to do. Je dis, oh Dieu, j'ai encore un grand travail à faire. Oh God, I still have a great deal of work to do. On n'a pas besoin de Baal Péor. Donnez-moi un amen. We do not need God to give, say amen. On n'a pas besoin de Baal Péor. We do not need Baal Péor. On a besoin de la délivrance totale. We need the total delivery. Frère, vous ne pouvez pas vous mettre en langue, j'ai peur parce que le pasteur est là. You cannot rest in long skirt because the pastor is around. La parole que vous avez écoutée va vous enseigner. The word that you have listened is going to teach you. On commence à voir l'Égypte là. We start on seeing skirt, you know, to slave. L'Égypte ici. Until here. L'autre, ils ont le modèle là, là-bas, derrière là-bas, c'est long, et ici, devant, sur les cuisses, ça fait un grand zéro. The whole heart of party is long on the side and has a big zero. On ne fait pas montrer le dehors, mais on va montrer le devant, là où il y a les cuisses païennes. We don't want to say show off the behind, but before. Ce n'est pas le fait que vous êtes assis à l'église qui fait de vous un chrétien, non? It's not the fact being sitting here to make of you a Christian. La chrétienté, c'est la vie. Christianity is life. Et tu n'as pas besoin du forcing. And you don't need to be forced. Dès que tu t'habilles, as soon as you dress yourself, tu te tiens devant le miroir. And you stand in the mirror. Si dedans il y a le Saint-Esprit, if inside there is the Holy Spirit, le Saint-Esprit te parlera. The Holy Spirit will talk to you. Que cette tenue-là, je ne suis pas d'accord avec ça. I'm not approving that outfit. Amen. Je n'entends pas des amen. Hein? I can't hear your amen. Le changement d'Abraham. The change of Abraham. La transformation d'Abraham. Abraham transformation. Je veux la main de l'église. I want the amen of the church. Vous êtes fâché? Are you mad? Alors donnez-moi encore un amen. Then give me another amen. Abraham avait poussé sa femme. Abraham married his wife. Alors qu'il avait 28 ans. Though he had 28. Et Sarah avait 18 ans. And Sarah 18. Mais ils n'avaient pas d'enfant. But they didn't have a child. Et la Bible nous dit ils sortaient de Babel. And the Bible said that they were coming out from Babel. Et dans Genèse 12. Unto Genesis 12. La Bible dit Dieu dit Abraham. The Bible said that God said unto Abraham. Va-t'en de ton patrie. Go from your land. Va-t'en de la maison de ton père. Go from your father's house. Va-t'en de la maison de ton père. Go from the house of your father. Et l'Éternel dit à Abraham. And the Lord said unto Abraham. Je suis dans Genèse 12. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. On Genesis 12, go from your land. Et de la maison de ton père. And the house of your father. Dans le pays que je te montrerai. In the land that I will show to you. Je ferai de toi une grande nation. I will make of you a great nation. Et je te bénirai. And I will bless je you. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Et tu seras une source de bénédiction. And you're gonna be a stream of blessing. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who et bless je maudirai ceux qui te maudiront. And whoever curse, I will curse. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. And all the people of earth will be blessing ce you. Ce sont les sept promesses que Dieu donne à Abraham. There are the seven promises God given to Abraham. Si il est obéissant, if he is obedient, il y a les bénédictions qui le suivent. As the blessing, si vous croyez en Dieu, vous vivez la parole. If you believe in God and you live the word, Dieu ne vous laisserait pas vivre la parole sans vous bénir. God won't let you live in the word without blessing you. Ça va toujours s'accomplir. It's always going to pass. Il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. It will make the difference between those serving God and et those lorsque serving God. Vous entrez dans la parole, and when you enter into the word, toutes les malédictions familiales sont brisées. All the family curses are broken. Oh, je n'entends pas votre amen. I can't hear your amen. Et alors Dieu donna à Abraham sept âges. Then God gave unto Abraham seven ages. Et les sept âges allaient de Genèse 12 au Genèse 18. And the seven ages go to Genesis 12 to 18. Mais nous remarquons que dans Genèse 17, but we notice into Genesis 17, Dieu avait donné la promesse à Abraham qu'il reviendrait vers lui à cette époque-ci, mais de l'an prochain. God gave Abraham the promise he will come to him unto next time to next. Et lorsque nous sommes arrivés dans Genèse 18, and when we came onto Genesis 18, c'est l'an prochain dont Dieu avait dit. Next year, God talked about. Et cela s'est passé exactement vers le mois de novembre et décembre, la Genèse 18, 17.
And unto Genesis 17 happened through the mouth of Et dans Genèse 18, and in Genesis 18, le père Abraham vit trois personnes qui le visita. The father Abraham saw three persons who came to visit. Il y avait Elohim. He had Elohim. Il y avait Gabriel. He had Gabriel. Il y avait Michel. And Michael. Pourquoi? Why? Parce que c'était le temps de l'accomplissement de la promesse. Because it was the time of the fulfillment of the promise. Et lorsque ces gens sont arrivés vers Abraham, when those people came toward Abraham, Abraham a discerné celui qui était au milieu des deux. Abraham discerned the one who, all on the midst of them. Et c'était Elohim. And he was Elohim. Qu'est-ce qu'il a fait? What he has done. Il a exercé l'hospitalité. And he exerced hospitality. Il a dit, ne passe pas loin de ton serviteur. And he said, don't go back from your servant. Attends qu'on t'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds. Wait to be brought a little water to wash your feet. Et un petit repas pour te réconforter. And a little meal to comfort you. Abraham était un exemple d'un vrai croyant qui pense d'abord à Dieu. Abraham was an example of a true believer thinking first on God. Et il a pensé à Dieu et lui-même n'avait pas mangé. He thought first in God, he haven't ate himself. Dans notre vie, nous devons donner la première place à Dieu. Unto our life, we must give the first place to God. On doit donner la première place à la parole. We must give the first place unto the word. Dès que j'ai l'argent, as soon as I got the money, la première chose que je fais, c'est d'enlever ma dîme. The very first thing is to remove the tithe. Je ne regarde pas tout ce que je peux faire comme les dépenses. I'm not looking onto all the expenditures. Je dois d'abord regarder à payer d'abord ma dîme. I must first look on paying my tithe. Parce qu'il y a une bénédiction qui est cachée dans la dîme que le diable ne veut pas que les gens soient bénis. Because there is a blessing hidden in the tithe. The devil doesn't want people to be blessed. C'est pourquoi il vous amène beaucoup de distractions. That's why it brings you many distractions. Il vous amène même la peur de vivre pendant un mois. He brought you even the fear to live from one Mais month. Nous avons un Dieu qui nourrit les oiseaux. But you have a God who brings food. Il est capable de produire un miracle pour toi si vous honorez sa parole. He's able to perform a miracle for you if you honor his Et word. Un vrai chrétien qui est né de nouveau, qui a Dieu, ne peut pas faire passer des mois sans payer sa dîme. And a true believer born again cannot spend a month without paying his tithe. Et il ne peut pas le faire périodiquement. And he cannot do it, you know, on long time. C'est-à-dire le mois là, je paye. Le mois là, je ne paierai pas. L'autre mois, je vais payer. L'autre mois, je paye. Ça, ce n'est pas le christianisme. Donnez-moi un amen. Man, this one of paying the nurse and not that's not Christianism. Un chrétien doit d'abord donner la priorité à la parole. A Christian must first give the priority to the word. Parce que vos dîmes que vous payez sauvent beaucoup de gens, même au travers du monde, au travers du ministère du pasteur Baruti. Cause the tithe you pay saving many people through the world through Pastor Baruti. Oui, lorsqu'il reçoit la dîme des dîmes. When he receives the tithe of tithe. C'est vous qui voyagez avec lui. If you guys who traveling with him, c'est vous qui sauvez les âmes au travers de lui. If you saving soul through him, et cette couronne, cette bénédiction reviendra sur vous. And that crown, that blessing will come upon you. Je crois que ça fait au moins 7 ans que je prêche sur la dîme. I believe it's about 7 years I preach upon the tithe. C'est un enseignement que nous devons donner à l'église. It's a teaching we must give to the church. Lorsque nous parlons de la guérison divine, nous parlons des miracles, nous parlons du Saint-Esprit, tout le monde est content en disant amen. When we talk about healing and miracle, everybody is great. Lorsqu'on arrive aux affaires d'argent et aux affaires des prémices, when it comes to the matter of money, of firstborn, les gens deviennent crispés. People become very quiet. Mais c'est la parole. But it is the word. Comme le baptême du Saint-Esprit. As the baptism of the Holy Spirit. Pourquoi les gens ne payent pas leur dîme? Why people do not pay their tithe? C'est parce qu'ils sont égoïstes. It's because they are selfish. Et on ne peut jamais demander que Dieu vous donne et que vous ne donnez rien à Dieu. We cannot ask God to give and not giving him back. Soyez l'ami de Dieu. Be God friend. Pendant que vous êtes, n'est-ce pas, en bonne santé. While you are into good health. Lorsque vous serez malade. When you're gonna be Lorsque sick. Vous serez dans le besoin. When you're gonna be needy. Alors Dieu deviendra ton ami. Then God will become your friend. Je vous parlerai sur les bénédictions qui sont liées à la dîme. Je vous en parlerai. Talk about the blessing bound to the tithe. Alors Abraham, notre père. Then Abraham, our father. Alors qu'il n'avait pas de femme d'enfant. Though he has no child. Il n'avait pas, n'est-ce pas, de femme d'enfant. He has no child. Mais cela était pour lui une urgence. But it was for him urgent. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 15. Unto Genesis 15. La Bible dit que Dieu, Abraham a dit même à Dieu. The Bible said that Abraham said unto God. Que voilà, je suis en train de partir sans enfant. See, I'm living with no child. Genèse 15, vous lirez du premier verset jusqu'au sixième verset. Genesis 15, from the first to the sixth verse. Et l'héritier de ma maison. And the heir of my house. C'est Eliezer de Damas. Will be Eliezer of Damascus. Tu as dit Abraham, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. God says it's not Eliezer.
gonna be your heir. Je te donnerai une postérité. I will give you an offspring. Comptez les étoiles du ciel. Count the stars of the heaven. C'est telle serait ta postérité. Such gonna be your offspring. Donc j'aimerais dire, mes chers amis, so I would like to say, my dear friend, que Dieu a donné à Abraham sept âges. That God gave unto Abraham seven ages. Qui allait de Genèse 12. Goes from Genesis 12. À Genèse 18. Unto Genesis 18. Et Dieu. And God avait parlé à Abraham, spoke unto Abraham par des signes, through signs, par des signes, through signs, par des signes, through signs, des prodiges, wonders, des miracles, miracles, des voix, voices, et des visions, and visions, de Genèse 12, from Genesis 12, à Genèse 18, unto Genesis 18, non, à Genèse 17, I mean 17, Dieu a parlé à Abraham, God talked to Abraham, par des songes, through dreams, des visions, through visions, des voix, through voices, alléluia, amen, par des prophéties, through prophecies, pendant six âges, during those ages, mais au septième âge, but to the seventh age, qui est Genèse 18, which is Genesis 18, Dieu n'a plus parlé à Abraham par des visions, God haven't talked Abraham to vision. Dieu lui-même, God himself, je dis bien le Créateur, I'm saying the Creator, le grand Elohim, the great Elohim, il a fondé un corps, he formed the body, il a, comme moi je suis debout là, as I'm standing in front of you, c'est comme ça que Dieu était devant Abraham dans Genèse 18, that's the way God stood in front of Abraham in Genesis 18. Abraham a reçu Dieu, Abraham received God, Abraham a donné à Dieu la nourriture, Abraham feed God, Abraham a lavé les pieds de Dieu, Abraham washed God's feet, Dieu était tellement content, God was so glad. Alors Dieu a parlé en lui-même. And God said unto himself, cacherai-je à Abraham? Will I hide unto Abraham? Les choses que je vais faire à Sodome. Things I'm about to do in Sodom. Qu'est-ce que Dieu voulait faire à Sodome? What God wanted to do in Sodom? Détruire Sodome. Destroy Sodom. À cause du péché. Because of the sin. Détruire le monde. Destroying the world. À cause de l'excès du péché. Because of the excess of sin. Mais Dieu avait pensé, but God thought, que quelque part, that somewhere, sur la même terre, on the same earth, sur la même nation, on the same nation, il y a un petit groupe de gens, lies a little group of people, qui croient en moi, who believe in me, et qui ont pour messager Abraham, and who are for messenger Abraham, dont le nom a sept lettres, whom the name got seven letters, dont le nom se termine par H-A-M, whom the name ends by H-I-M. Est-ce que quelqu'un dans la salle a compris? Does someone in the room understood? On les appelait les Abrahamistes. We call them Abrahamists. Les Abrahamistes. Abrahamists. Qui a compris? Who understood? Pourquoi? Why? Parce qu'ils croyaient Abraham le messager à sept lettres. Because they believe unto Abraham the messenger of the seven letters. Et Dieu a dit, je ne lui cacherai rien. And Abraham said, I will hide in nothing. Parce qu'il deviendra une grande nation. Because he become a great nation. Et il enseignerait à ses enfants. I will teach unto his children. La voix du Seigneur. The voice of the Lord. Abraham l'a accueilli par la révélation. Abraham welcomed him through revelation. Abraham a nourri Dieu par la révélation. Abraham feed God through revelation. Je dis bien Dieu dans la chair humaine. I said, word God into the human flesh. Par la révélation. Through revelation. Lorsque Dieu a terminé de partir. When God finish up, le souci majeur d'Abraham était d'avoir un enfant. The great burden of Abraham was to mais have a avec child. L'âge de 100 ans, but with the age of 100, il ne pouvait pas recevoir le fils promis. He could not receive the promise. Pour recevoir le fils promis, to receive the promise, il faut que la semence d'Abraham soit changée. The seed of Abraham had to il faut be que changed. La matrice de Sarah soit changée. Sarah matrice has to be changed. Il faut que Sarah puisse avoir des nouvelles. Sarah must have new ex. Mais quand il était vieux, ça ne va pas. But when he was old, he was wrong. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Then what God did? Il a changé d'abord. He changed first of all. Frère Branham dit les cellules. Brother Branham said the cells. Le prophète dit, je vais vous lire ça, le système. And the prophet said, I'm going to read the system. D'Abraham. Of Abraham. Yes. Donc, le système de l'intérieur, so all inside system, doit subir un changement, must have a change, tout le système, all the system, tout ce qui était détruit par la vieillesse, everything destroyed by the old time, doit subir le changement, must have a change. C'est ça la guérison directe, c'est ça le miracle. This is a straight healing, this is the miracle. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. La fête des trompettes, je vais vite. The feast of the trumpet, I'm going as il reste au moins 6 minutes. Remain the 6 minutes. Paragraphe 76, je vais lire vite. On to the paragraph 76. Abraham dit, mais c'est lui qui est resté là à parler à Abraham. Je...
Il avait attendu, mais ils étaient au bout de la route. Waiting, but he was at the end of mais the Dieu road. A apparu sous différentes formes. But God appeared under different forms. Comme il a fait au courant des âges de l'Église dans les lumières et tout. As he did during the age of church in the light and et everything. Par des voix. And through voices. Mais juste avant la venue du Fils, but until before the coming of the Son, nous avons déjà étudié cela. We've already studied. Et vous savez que je ne fais que récapituler, c'est pour vous faire voir le changement. Pouvoir, il a changé le corps d'Abraham et de Sarah. And you know, I'm just summing up to show you that he changed the body of Abraham and Sarah. Moi aussi je saute. Je suis au paragraphe 215, mais vous pouvez lire. Il dit ceci, le dernier signe qu'Abraham. He said the two signs of Abraham. Et nous sommes la semence roi d'Abraham. And we have the royal seed of Abraham. L'épouse. The bride. Le dernier signe qu'Abraham a vu. The last sign Abraham has seen. Avant que le signe promis arrive. Before the promised son. Avant que le fils promis arrive. Before the promised son comes. C'était quoi? What was it? Dieu sous la forme de un être humain, God under the form of a human being, qui pouvait discerner les pensées des gens, who could discern people's thoughts, un seul homme, only one man, pas une douzaine, not a dozen, un seul homme, only one man, peu importe le nombre d'imitations, no matter the number of imitations, il en a eu un seul, he had only one, et il a discerné le fond de leurs pensées, and he discerned the depth of their thoughts. Qu'est-ce? What was it? C'est ce qu'il s'est produit ensuite. And what happened next? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. That Abraham and Sarah become a young man and woman. Frère Branham dit ça, nous le savons. Abraham, eh bien, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler. Well, I found you find it a little hard to swallow. Celle-là, vous trouvez ça dure à avaler. That one you find it hard to swallow. Mais souvenez-vous juste pour bien m'assurer que vous le savez là. But remember just to assure that you know. Ne lisez pas la Bible comme ceci. Do not read the Bible like this. Ne lisez pas la Bible comme ceci. Do not read the Bible like lisez entre les lignes. Read between the lines. Pour voir pour que le tableau apparaisse. To see where the board appears. Paragraphe 217. Observez, Sarah était une vieille femme. Observe, Sarah was an old woman. La Bible dit que son sein était mort. The Bible said her breast was dead. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Is that so? La vie d'Abraham en lui était morte, sa semence. The life in Abraham was dead. Pas vrai? Is that so? Maintenant, rappelez-vous. Now remember. La semence d'Abraham était morte. Abraham said. 40 ans plus tard, 40 years later, il a eu 7 fils d'une autre femme. He had 7 sons of another woman. Qu'est-ce qu'il avait fait? What he has done? Il avait changé leur corps. He changed their bodies. Remarquez. Notice. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Instantanément, elle est redevenue une jeune charmante femme. Instantly, she became a young. Et le prophète dit que c'est ce qui s'est passé. And the prophet said, what happened? Entre Abraham et Sarah. Between Abraham. Le changement de leur corps. The change of their body. Au septième âge d'Abraham. Oh, to the seventh age of Abraham. Genèse chapitre 18. Genesis 18. Le prophète dit. The prophet ce qui s'est passé là-bas. What happened over there? Oh, je me sens bien. I feel good. Ce qui indiquait là. What pointed there? Ce qui représentait ce qu'il va faire à la semence roi d'Abraham. What represented what's gonna do with the royal seed of Abraham? C'est ce qu'il va faire avec vous. That's what it's gonna do with you. Alléluia. Amen. Ce qui va faire avec la semence du roi d'Abraham. What is going to do with the royal seed of Abraham? Pour qu'elle puisse recevoir le fils qui a été promis. So he may receive the promised son. Elle est devenue une jeune. She has become young. Écoutez, et ils sont allés à Gerar. Listen and they went to Gerar. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Abimelech, le roi, est tombé amoureux d'elle. Abimelech, the king, found in love. Il a dit, elle est belle, ravissante. He said she's beautiful and pretty. Et il se proposait de l'épouser. And he proposed himself to marry her. N'est-ce pas vrai? Isn't it true? Une vieille grand-mère avec toutes ses autres jolie a, jeune fille de là-bas. An old great mother with all the young lady of in mémé. And in old time, elle est ravissante, elle est belle de figure. She's beautiful, cute face. 220, Dieu a changé son corps. 220, God changed her body. Et ils sont redevenus jeunes. And they become young again. Au septième âge d'Abraham. On the seventh age of Abraham. À la visitation d'Elohim dans la chair. Unto Elohim visitation in the flesh. La parole vivante. The living word. Qu'Abraham avait apporté. That Abraham had brought. La parole de vie. The word of life. La parole du changement. The word of the change. La parole de promesse. The word of promise. Abraham avait apporté. Abraham brought. Elohim avait apporté. Elohim brought. A changé les deux. A changed both of them. Pas seulement Abraham. Not only Abraham. Abraham. And Abraham. Et Sarah. And Sarah. Pas seulement Frère Branham. Not only both of them. Frère Branham. And both of Branham. Et vous. And you.
Le prophète dit, the prophet said, et le dernier signe qu'ils ont vu, and the last sign they saw, c'était quoi? What was it? Ce discernement, that discernment, avant que le changement de leur corps se produise, before the change of the body may happen, et avant que nous puissions recevoir le Fils, and before we may receive the qu'est-ce Son, qui arrive? What happened? La trompette de Dieu sonnera. The trumpet of God will sound. Les morts en Christ résisteront premièrement. The dead in Christ will resurrect first. Un nouveau corps. A new body. Et nous les vivants, and us the living, qui serons restés, we're going to stay, nous serons changés, who's going to be changed, en un instant, at once, en un clin d'œil, in a glimpse of the eye. Abraham dit Alléluia. What the Bible say, Hallelujah. Et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. We're going to be all ripped to the meeting of the Lord in the air. Est-ce que je peux continuer? Can I carry on? Le secret, the secret, du changement là, of the change, a été divulgué, has been spread out. Virgule. Comma. Virgule. Comma. Les seaux, the seals, sont ouverts, are open. Ah! Amen. Le secret, the secret, du changement, hein? Of the change, le secret, the secret, du changement, of the change, est scellé, is sealed, dans le seau, in the seal, dès que le seau est ouvert, as soon as the seal is open, le secret, the secret, du changement, of the change, est révélé, is revealed. Vous êtes dans le changement, you are into the change. N'attendez pas quelque chose qui va venir, do not wait something to come. Le changement de vos corps, the change of your body, commence par la nouvelle naissance. Start by the new birth. Qui peut dire amen à ça? Who can say amen? Il dit que le secret a été divulgué. The secret been spread out. Quel secret? What secret? Le secret du changement. The secret of the change. Le secret de la translation. The secret of translation. A été divulgué. Has been spread out. Les seaux sont ouverts. The seal is open. La trompette a sonné pour Israël. The trumpet has sonned. Et les deux prophètes sont sur le point d'apparaître. And the two prophets are about to appear. Qu'est-ce que c'est? What is it? L'église doit quitter la terre, la scène, church must leave the stage, tout de suite, at once, pour qu'il puisse apparaître. So he may appear. Il ne peut pas traiter avec les deux en même temps. He cannot deal with both on the same time. Il ne l'a jamais fait. He never did that. Dieu ne peut pas traiter avec nous et traiter avec Israël. God cannot deal with us and Israel. Frère, brother, sœur, sister, le secret du changement, the secret of the change, était dans le septième saut. Lies in the seventh seal. C'est pourquoi that's why Naaman pouvait être changé. Naaman could be changed. Et vous? And you, vous êtes dans le changement. You are in the change. Abraham, Abraham a reçu Elohim. Receive Elohim. La présence d'Elohim dans la chair of Elohim in the flesh a introduit Abraham, introduce Abraham dans le changement. Onto the change. C'est pourquoi Dieu a dit, that's why God said, je reviendrai, I'll come back, vers toi, to where you, à cette même époque. Onto that same Dieu n'a pas dit l'époque prochaine. God haven't said next Dieu a dit cette même époque. He said that same en d'autres termes, en cette même période. In other words, in that same time, lorsque le plein évangile est avec moi, lorsque Dieu, when God, a terminé de parler avec Abraham, finish up talking with Abraham, on ne voit plus Dieu. We could see God no more. Seulement deux anges, only two angels, qui se retrouvaient à Sodome et Gomorrhe. Found themselves on Sodome and Gomorrah. Mais où est le troisième ange? Where is the third angel? Ce troisième ange, the third angel, c'était Dieu lui-même. He was God himself. Mais il est où? Where is he? On ne le voit pas à Sodome et Gomorrhe. Can be seen Sodome and Gomorrah. On ne le voit pas au ciel. Can be seen there. Il n'est plus remonté. He haven't went back. Il n'est plus à Sodome et Gomorrhe. He's no more Sodome and Gomorrah. Mais Dieu, but God, where is he? Je, I, reviendrai, will come, vers toi, towards you. Toi qui? You who? H-I-M. H-I-M. Toi qui? You who? El Abraham. Abraham. Toi qui? You who? Mon messager. My messenger. Toi qui? You who? Le père des nations. The father of nations. Toi qui? You who? Le septième messager. The seventh messenger. Toi qui? You who? Mon prophète. My prophet. Je, I, reviendrai, will come, vers toi. To worry. Est-ce que je peux parler? Can I talk? Lorsque Dieu, when God, a terminé, has finished, de parler, talking, avec Abraham, with Abraham, 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 accompagné Dieu, tag along with God, et il a laissé, and he let him, dans la frontière, in the border, entre Mamre, between Mamre, et Gera, and Gera, entre Mamre, between Mamre, et Makpela, and Makpela, la terre, the de la résurrection, of resurrection, la terre, the earth, de l'enlèvement, of the rapture, ils se sont séparés là, and they split that place, Dieu,
était en train de partir. Was leaving. J'ai regardé Genèse 19. I look onto Genesis 10. Dieu. God. Below. Watcher. Je regardais. I look. Genèse 19. Genesis 19. Dieu n'est pas Sodome et Gomorrhe. God is not Sodom and Gomorrah. Je regardais Genèse 18. I look Genesis 18. Dieu n'est plus avec Abraham God dans la chair humaine. God is no more in Abraham into the human flesh. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Then what has happened? Épouse. Bride. Plein évangile. Full gospel. Voilà la saison de votre changement. Behold, the season of your change. Qu'est-ce qui s'est passé? What has happened? Dieu. God. Oh Jésus. Oh my. Quelle révélation. What revelation. Remplis mon cœur. Fill my heart. Pourquoi tout le monde ne voit pas ça? Why everybody can't see? Pourquoi tout le monde ne comprend pas Why ça? Why everybody cannot understand? Pourquoi tous les prédicateurs ne prêchent pas ça? Why all the preachers do not preach? C'est un problème de grâce. It's a problem of grace. Dieu avait détruit. God has sent le corps d'Abraham. The body of Abraham. Et les 16 éléments and qui ont composé le corps d'Abraham, made of Abraham ça a été tiré dans le pays d'Abraham. Extracted onto Abraham land. Dieu a détruit ça. God destroyed. Dieu est redevenu la colonne de fer. Has become back the pillar of fire. Et Dieu est rentré dans Abraham. And God has entered into Abraham. Lorsqu'Abraham Abraham était devant Sarah, Sarah. Elohim. Elohim. Dieu. God. La parole de l'heure. The word of the hour. Était dans sa chair. Was into his flesh. Amen. Pour faire quoi? To do what? Pour faire quoi? To do what? La parole de l'heure. The word of the hour. La parole de promesse. The word of promise. Qui est Dieu? Who is God? Elohim. Elohim. La parole de l'heure, c'est ça la colonne de feu. The word of the hour visits the pillar of fire. L'air, c'est ça l'onction. The visits the anointing. C'est rentré dans Abraham. He has entered into Abraham. Abraham n'était plus un pentecôtiste. Abraham was no pentecôtiste. Abraham est devenu l'épouse. He has become the bride. C'est ce qui a causé le changement. That's what caused the change. Pendant qu'Abraham quitte Mamre. Why Abraham was leaving Mamre? Pour aller à Gerar. To head to Gerar. Le changement n'était pas, n'est-ce pas, brusque. The change was not sudden. Non. Le changement, mes amis. The change, my friend. Avait déjà commencé dedans. Has started inside. Si vous recevez le baptême du Saint-Esprit. If you receive the baptism of the Holy Ghost. C'est Elohim en vous. It's Elohim in you. C'est le changement. It's the change. C'est la translation qui commence. The translation starting. Jusqu'à c'est que quand ils sont arrivés chez Abimelech, until they came unto Abimelech, Abimelech a dit oh my, quelle belle femme. What is a beautiful lady? Sarah, tu es belle comme ça. Sarah, you are so beautiful. Les ses frères, les dents, brother. Et pourtant quelques jours auparavant, elle était vieille. No few days before she was old. Mais qu'est-ce qui a changé Sarah? But what changed Sarah? Qu'est-ce qui a changé Sarah? What changed Sarah? C'est la parole. It's the word. Qu'Elohim avait apporté. That Elohim brought. Qui a été prêché dans un corps. And who has been preaching to a body. Ce matin, this morning, cette même parole, the same word, est ici, which is here. Lorsque vous dites amen, when you say amen, il a créé en vous le changement. It creates within you the change. Et tout autour d'Abraham, and all around Abraham, il y avait un nouveau corps, he had a new body, qui se formait dedans, forming inside, pour le rendre jeune, to turn into the young man. Et frère Branham dit, and Brother Branham said, Abraham et Sarah, Abraham and Sarah sont rentrés dans le voyage de l'immortalité. As entering the journey of immortality. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, by the time they were moving forward, quelque chose s'installait. Something was installing. N'abandonnez pas la parole. Never abandon the word. Même si elle est dure. Even it is tough. Croyez-la. Believe in it. Et restez là. And stay si tu n'es pas changé aujourd'hui, if you haven't been changed, continuez à marcher avec la parole. Keep on walking with the word. Elle vous changera demain. He will change you tomorrow. Elohim vous bénisse. May Elohim bless all of you. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. We come to the end of the meeting. Abaissez vos têtes. Lower down your head. Change-moi, Seigneur. Amen. Oh Jésus, change-moi. Amen. Change-moi, Seigneur, ô Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, change-moi, Seigneur, ô Jésus.
Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, brise-moi, Seigneur, ô Jésus, brise-moi. Que chacun dise mon Seigneur, je vous en prie. Parlez à notre Père. Réclamez ce changement. Réclamez cette translation. Le changement commence de l'intérieur à l'extérieur. De l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Votre système doit changer. De cette vie qui entre en vous, Dieu est en train de créer, d'établir un nouveau corps, une nouvelle personne, avec des nouvelles manières d'agir, avec des nouvelles manières de se comporter, avec une nouvelle manière de prier, avec une nouvelle manière d'aimer Dieu, avec une nouvelle manière changer. Merci Jésus pour tout. Seigneur Jésus Christ, Lord Jesus Christ, je prie pour tes enfants. I pray for thy children. Et je les remets à toi. And I commit them into you. Que cette parole qu'ils ont écoutée, if the word that they listen, que cela puisse produire en eux le changement. May he produce in them the change. Parce que tu as dit, il y a trois choses qui vont arriver. Because they said three things gonna come. Il y a le cri, la voix et la trompette. The cry, the voice of the trumpet. Et ces trois choses sont un. And those three things are one. Et le cri, c'est le pain de vie. And the cry is the bread of life. Qui est le message. Which is the message. Qui est le sept honneur. And the seventh thunder. Qui est le septième saut. And the seventh scene. Qui est le troisième pôle. Which is the third pole. Qui est Elohim. Which is Elohim. Et quand cela rentre en nous. And when he enter within us, cela transforme notre intérieur. It transforms our inside. Et cela nous donne la nature de Dieu. And it gives us God's nature. Bénis tes enfants. Bless thy children. Et protégez-les. And protect them. Durant toute la semaine. During all the week. Éloignez l'ennemi dans toutes ses formes. Remove all the enemy into all his forms. Chacun soit environné par la colonne de feu. Let everybody be surrounded by the pillar of fire. Et l'ange du Seigneur. And the angel of the Lord. Soit la protection de chacun. May be the protection of everyone. Je vous les donne à ton Dieu tout puissant. Give them to them into the mighty God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Et sans leurs prières. And those prayers. Écoute leur voix. Listen to their voices. Dans le nom de Jésus Christ. Into the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce que vous avez bien mangé? Do you eat well? Vous avez bien mangé? Did you eat well? La parole doit changer votre système. The part must change your system. Dedans. Inside. Laissez la parole. Let the word faire des effets. Make all effects. Et bientôt, vous allez comprendre que le pasteur nous a dit la vérité. And soon you're going to understand the pastor tell us the truth. Alors, nous sommes en train de sortir. Then we came out. Et ne traînez pas ici pour qu'on puisse gagner les autres. And do not delay, so we may ask. Vraiment, vous sautez, vous partez directement à la maison. Je vous en prie. Truly, once out, go straight home. Évitez tout attroupement. Avoid all the gathering of people. Repartez à la maison. Go back home. Et que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes en train de sortir. Pouvez-vous dire bonjour à votre frère, à votre sœur? Can you greet before going out your brother and sister? Je salue tout le monde. And greet everybody. Que le Seigneur vous bénisse. Wave everybody, may the Lord bless you. Repartons à la maison. Let's go back home.